Bonjour les loulous, dans cette vidéo, nous allons faire de la phonologie avec les alphas pour mieux entendre les sons. Bravo! Je t'explique le but du jeu. Je vais dire un mot et donc je vais appeler des alphas en disant ce mot. Les alphas vont venir, mais à chaque fois, il y a un alpha qui s'est trompé et qui est venu alors que c'est pas lui que j'ai appelé. Toi, tu dois trouver quel est l'alpha qui s'est trompé et qui doit partir. D'accord? À chaque fois, il y a une erreur dans les alphas. Attention, regarde bien. À chaque fois, il y aura trois alphas et sur les trois alphas, tu dois trouver un alpha qui s'est trompé. D'accord? Est-ce que tu es prêt? On y va. Écoute bien mon mot. Ouvre grand tes oreilles et ensuite, les alphas vont venir dans ces cases grises. Tu es prêt? Écoute. Mur. Mur. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, les alphas arrivent. On a le monstre, monsieur A, le robinet. Alors, il y a un alpha qui ne doit pas être là. Hein. On écoute. Meur. Bon, ça ne va pas. Moi, c'est pas ce que je veux. Écoute bien mon mot à moi une dernière fois. Mur. Alors, quel est l'alpha qui s'est trompé et qui ne doit pas être là? Dans mur. C'est monsieur A. Monsieur A, tu t'es trompé. Tu n'as rien à faire là. Alors, on te dit au revoir. Au revoir, monsieur A. D'après toi, quel est l'alpha qui doit venir pour qu'on entende mur? Je t'aide un petit peu. U. C'est mademoiselle U. Et là maintenant, on entend mur. Tu as compris? On continue alors. Écoute mon mot. Char. Encore une fois. Char. Attention, les alphas arrivent. On a le chat, monsieur A et la limace. Ça fait chale. Ça ne va pas, c'est pas le mot que je veux moi. Écoute bien le mot que je veux. Char. Alors d'après toi, quel est l'alpha qui s'est trompé? Moi, je pense que c'est la limace. Au revoir limace, tu n'as rien à faire là. Au revoir. Normalement, ça doit être le robinet. Et là maintenant, on entend char, char. Bravo. On continue. Écoute bien mon mot. Sol. Sol. Regarde les alphas qui arrivent. On a le serpent, madame I et la limace. Si tous les alphas sont ici, on entend seuil. Ça va pas, c'est pas mon mot, moi. Moi, mon mot, c'est sol. Alors, quel est l'alpha qui s'est trompé? Il faut le trouver parce que ça ne va pas du tout. C'est madame I. Madame I, tu n'as rien à faire ici, voyons, ce n'est pas mon mot. Alors, on te dit au revoir. Normalement, c'est monsieur O qui doit être là. Et maintenant, on entend bien sol. Tout va bien. Allez, plus que deux mots. Écoute bien mon mot. Vol. Vol. Maintenant, les alphas arrivent. On a le robinet, monsieur O, la limace. Ça fait roll. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit, moi. C'est pas ça. Écoute bien mon mot. Vol. Quel est l'alpha qui s'est trompé? C'est le robinet. Il n'a rien à faire là. Au revoir, robinet. Normalement, c'est le vent qui doit être là. Et maintenant, on entend bien vol. Allez, tu es prêt? Il ne reste plus que un seul mot. C'est le dernier.
Bravo d'avoir tenu jusqu'à ici. Écoute mon mot. Fil. Fil. On regarde les alphas qui arrivent. On a la fusée. Madame I. Le monstre. Mais ça ne va pas du tout. Ce n'est pas du tout le mot que je voulais. On écoute ce que ça fait. Feuille. Ça ne va pas. Moi, mon mot à moi, c'est fil. Quel est l'alpha qui s'est trompé? C'est le monstre. Il n'a rien à faire là. Au revoir, le monstre. Normalement, quel est l'alpha qui devrait être là pour entendre fil? C'est la limace. Et là, maintenant, on entend fil. Bravo à toi. Très bien. On a terminé cette vidéo. Je te dis bravo parce que c'était pas facile, franchement. Et tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis au revoir. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur les alphas en phonologie. À bientôt.